Et salut YouTube. Notre ami Scrag est de retour. On doit faire cette bataille pour ne pas prendre trop d'attrition. Ah ouais, et du coup on peut pas utiliser ça. On peut pas les buffer. Bon allez, si on encercle correctement, ça devrait aller comme la précédente. Ça va rouler. T'as quoi comme config toi pour jouer? Tu joues tout à fond? Non, j'ai décoché certaines options graphiques qui étaient fort gourmandes pour l'instant. J'ai pas tout à fond. Mais la config est en description du stream si jamais ceux qui veulent voir en quoi je joue exactement. Attendez. Ah, il y a les murs là! Avec tout ça, t'as pas fini ton explication sur ce que tu avais découvert gastronomiquement ce week-end. Ah! Quoi de mieux qu'une bataille de siège pour vous expliquer ça? Déjà, ma femme avait fait de la glace. Elle avait fait de la glace. Petite glace vanille avec des morceaux de spéculoos dedans. Bon, déjà, c'est une histoire qui commence bien. Ensuite, servi avec des pommes caramélisées à la poêle, avec petits coulis de caramel. La boule de glace servie sur une gaufre chaude, le tout recouvert de ces pommes caramélisées et coulis de caramel maison. Avec de la crème fraîche. Oh. Je dois bien dire que là... J'ai... là, je dois dire qu'il y a eu du level, les petits amis. C'est dur de dire non. Hein. C'est dur de dire non. Hein. Les réactions du chat. Je bande de la langue. Ah oui, mais c'est... Ah, c'était une tuerie. C'était une tuerie cosmique. Cosmico-cosmique. D'ailleurs, bon, c'était le week-end. Et là, tout à l'heure, j'avoue, je dois bien avouer que tout à l'heure, comme ça, en pleine semaine, j'ai fait mon malheureux pour essayer de gratter, une portion. On m'a dit... On est mardi. C'est trop bon. Ah, c'est vrai que les pommes sur la gaufre avec la boule de glace à côté. Oh là là. Vous... Même mine. C'est tellement ça. Ah, oh non, oh pas ça. Oh, les cannibales qui sont tranquilles. Non, c'est bon, les cannibales ils ont le temps, ils cassent les murs. Par contre, pas lui, m'en fous, tutut. Hein? Je comprends pas, ils sont pas censés ne plus y avoir de mur ici, qu'est-ce qu'on fait, chef? Sur le plan, sur les instructions, il était mis passer par le mur cassé. Mais quel enfer! T'as pas sélectionné le mur? Mais je peux pas! Tout à l'heure, c'est pas ce que j'ai fait! Qu'est-ce que vous racontez encore? Peuvent passer les crocs de sable? Non. Ah, il y avait des gnoblards. Mais non, mais attends.
Ah si, on peut faire sur les murs. Mais tout à l'heure, je faisais comme ça, hein. C'est étrange. Where's me monster? Ils ont pété leur truc? Ah, peut-être que Scrag balance des... Balance des sorts. Attendez, allez casser ça. Ah, j'aurais peut-être dû le garder pour Scrag, mais... Gardez tous les sorts pour Scrag. Puisqu'il soigne à chaque fois qu'il jette un sort. Aïe, 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 c'est quoi ça? Ça va, c'est des esclaves rondeurs. Elle vient à cette porte! En tout cas, ce petit plaisir gustatif du week-end, j'aime autant vous dire que à chaque bouchée, je me disais... Oh, si Twitch pouvait voir ça... Prochaine étape, je le fais, mais je le mange en stream. Voilà. Enfin, prochaine fois qu'il y a ça au menu. On se brûle. Ce serait trop cruel. J'avoue. Mais ce serait si délicieux. Un only fan glace. Casser la porte, super. Il y a un truc à capturer ici ou pas? Bon, on va... Non, même pas besoin. Allez prendre ça. Quoi? Quoi? Oh, quel enfer! Oh. Ah, c'est 20 la gueule. Ah, c'est cher. Par contre, il y a un beau petit blob là. Ça fait que dalle, hein. On est d'accord aux troupes. Un petit peu. Un tout petit peu. Combien de vents de magie, là? 12. Et combien il reste? 20. Bah, je pourrais encore en balancer un. Là-dedans, c'est rentable. Allez, maniez-vous. C'est pas grave, s'il y a des pertes, je pourrais me refaire après. On va faire rentrer les tigres. Ah, ça c'est con, j'aurais pu faire sauter la porte et les faire rentrer par là. Bientôt on pourra profiter tous ensemble avec les écrans alléchés. Attends. J'ai peur que ce que tu dises soit tout sauf un troll et qu'en fait ce soit réellement le genre de truc en cours de développement. Tu peux développer ? Je parie que c'est vrai. Il doit y avoir un Kickstarter quelque part pour des écrans qui réellement font passer des goûts à travers le truc. C'est comme les fameux... C'est pas un troll. Ah non, je m'en doutais. Mais c'est comme les trucs... Vous savez, les fameux... les expériences immersives, olfactives. Parce que maintenant, c'est même plus... c'est la VR, c'est au-delà. L'avenir de la VR, c'est dans les odeurs. Qu'on puisse avoir les vraies odeurs quand on joue à un jeu. Ça, c'est incroyable. Sauf que, évidemment, vous demandez l'odeur de... vous demandez l'odeur de... d'une glace au caramel et vous avez l'équivalent d'une fondue au fromage. Périmée. Bon, ça, évidemment, reproduire des arômes artificiellement, c'est pas si évident. Mais le principe est là, hein.
L'odeur de la démonette. Ah bah c'est fondu au fromage. Ok, tout va bien. Pour l'instant, tout va pas trop mal en réalité. Même si j'ai des troupes qui fuient, j'ai encore un sacré groupe qui est compétent. Est-ce qu'on claquerait pas Attendez. Allez tous voir ailleurs. Sauf les deux persos. Comme ça j'en finis avec ce blob et on passe à la suite. Ah bah tiens, tant qu'à faire. On va débuffer leur vitesse histoire qu'ils puissent pas s'enfuir. Voilà, bon ça ira comme ça. Voilà, comme ça on casse ce blob. Paf. Voilà. Comme ça on reste pas empêtré là-dedans pendant trop longtemps. Ça va peut-être même briser leur morale en chaîne. Ça aurait été cool de capturer ce point-là. Ils peuvent rentrer par là, oui. C'est bon, ok, les cannibales font leur boulot. Par contre, mettre plus de monde ici, ils vont boucher, ça va pas être top. Ça va pas être top. Où est-ce que je vais avec ça? Par là. Ça c'est pour mal. Est-ce que ça leur ferait pas un petit coup au moral de leur faire ça? Ah si si si. Ah si si, ils ont pas aimé du tout. Oh là là. Mais il y a un effet. Ah non, pas du tout. C'est vraiment juste l'explosion quoi. Non, il n'y a pas d'effet sur le moral. La vache, ça l'a fait fondre. Un petit point. Non, ça servirait à rien. On va juste balancer un buff et un peu de soin. Voilà, c'est bon. L'odeur des ogres, c'est pas déjà la nôtre à poncer le jeu. Au secours. Ah mais les écrans alléchés, alors j'avais pas entendu parler de cette... Je n'avais pas entendu parler de cette information. Ok, j'occupe ça. Alors ça me fait toute la province là. Déjà la deuxième. Moi je lèche déjà mon écran perso, suis-je dans le futur? Je veux pas savoir. Alors, on a gagné un compteur du feu de camp. Budget de séduction des unités moins 15%, corruption moins 2. Corruption moins 2, on prend, hein, ça y a pas de problème. J'en ai un deuxième. Province sécurisée, effectivement. Du coup, garder deux provinces sous contrôle, ça me fait déjà un bonus de plus 3000. Ok, la thune, tout se passe bien. Alors par contre, la bouffe, ça va pas. Hein. Va falloir aller placer le camp vite. Vite, vite, vite. Ça c'est quoi? Ah oui, ça c'est le gros soin. Oh là là, je prends ça. Très gros soin, je dis oui. J'ai perdu une unité de gnoblard. J'aurais pu avoir des buffs, la point d'acier. On va casser ça en vrai. D'ailleurs les buffles, attends. Ah non, ça se recrute pas dans les dans les trucs de base. C'est que les gnoblards ça. Alors je vais le garder quand même pour récupérer une unité de buffle. Et ensuite Marienburg. Peut-être Forkberg-Bresse en priorité. Mais oui, mais le camp. Oh, le campement. Faut mettre le campement. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Revenu de raid plus 50% bonus. Rendre recrutement. Allez, je vais prendre le bonus de raid. Parce que je vais devoir en faire du coup.
Je sais même pas si le bonus de raid pourrait me donner suffisamment de bouffe. Je n'en sais rien en réalité. Autorité croissance, je prends. Est-ce qu'il a eu son... Ouais, c'est bon. Il a ce qu'il faut. Donc il a chef gnoblard rang, recrutement plus 4 pour les gnoblards. Budget de séduction moins 15% et corruption moins 2. Est-ce que je peux mettre chez lui ? Non. Par contre, lui, du coup, il peut avoir celui-là. Ah, les deux autres ont déjà un truc. Bon, bah d'accord, bah alors ils vont. Cette armée-là va du coup démolir pas mal la corruption ennemie, ça c'est bien. Viande plus 5 pour Scrag, j'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Coût de recrutement moins 50% pour les Gnoblas. Bah ouais, la viande hein, du coup. Alors, capturer 3 provinces plus 5000. Ah mais ça supprimait des gnoblards. On les a bouffés. Mais on n'a pas... Et on n'a pas fait exprès. On a bouffé nos gnoblards. Ça peut arriver. J'ai bouffé les gnoblards. Oh bah ça fait de la place pour les ogres. Bon ça c'est deux tours, j'ai pas envie de passer à ça. J'ai combien là? 5. Ouais, donc je vais être en pénurie à nouveau. Hein. Tant pis. Campement, il faudrait... Ah, j'ai pas envie de le mettre ici, le campement. Bon, encore que... Allez, on va mettre le premier campement. C'est vrai qu'à la limite, je pourrais retrouver un deuxième campement plus loin. On va le... Ouais, en plus, on est à l'entrée des montagnes, c'est pas si déconnant. Donc là, il n'y a plus de consommation. Ok. Et le deuxième, il est là le deuxième. Alors je vais aller le chercher vite fait pour pouvoir le placer du côté de l'Empire. Parce que je voudrais bien pouvoir poser les campements rapidement pour pouvoir vite faire du... comment les améliorer pour que quand la guerre va éclater avec l'Empire, ils puissent pas facilement me les virer quoi. Alors ça rapporte pas mal. Bon, croissance plus 10 et capacité de recrutement plus 1, je pense qu'on va prendre. Il va falloir que qu'il y ait beaucoup de trucs. Ouh, il va y avoir une rébellion ici. Ça va, c'est bon. Ok, il est trop loin, c'est pas grave, je vais en profiter pour faire ça. Oh, est-ce qu'il risque d'attaquer le... Oh! J'aurais dû faire ça. Ah d'accord, le Middenland qui... Oh, ça fait tellement bizarre d'avoir la map tordue comme ça. Avec le truc qui monte tout droit. La Bretonie qui est censée être là. Enfin, qui est là. Et ici, ok, ça a un petit peu de revenus. Là, on est où ici? Carax Ziflin, c'est pas facile d'accès. Donc j'ai pas nécessairement besoin de rusher le... La tranchée d'excréments. Oui. On a... non. Pas besoin. Ça par contre, la croissance supplémentaire, j'en ai pas encore. Donc ça, je vais prendre.
Toujours important la croissance, quelle que soit votre campagne. La tranchée en caca. Écoutez, si c'est dissuasif. Ah ! Eh bien voilà Carlito. Oh, va falloir que je renforce un peu l'armée de ce côté. Ah ! Ah ! Do not take me for a fool. Leader of the tribe. The boss. Obey me or your dinner. Arrête, non. Y a de quoi se défendre. Je suis en négatif. Du coup, c'est que bâtiment défensif qui empêche l'apparition des failles. Alors, c'est pas encore actif, hein. Cette mise à jour-là n'est pas encore active. Il faudra attendre le mois d'avril, apparemment, pour qu'elle soit poussée, qu'elle soit active. Elle y est pas encore. Je vais prendre la viande. Ouais, on va faire le plein. Revenu généré par les bâtiments, plus 10% dans la région, ok. Ça va, moins 160, on est bon. Réserve de vente de magie en augmentation, plus 15%, je vais prendre ça. Supprimer la corruption, pas besoin. Allez, on va lui mettre des points de vie, histoire qu'il soit bien endurant en combat. Augmenter sa survivabilité. Bon, quitte à passer un tour à côté du campement, autant mettre les troupes dedans. Pour bénéficier de l'effet magique. 9000, plus 935 du coup. Puisqu'ils coûtent moins cher quand ils sont dedans. Là, on a un peu de croissance. J'ai un peu peur quand même que Carlito ait des renforts en fait. Ouais, il me laisse pas... il a pas de renfort, en tout cas pas pour l'instant. Le chaudron de la gueule. Entretien moins 5% pour l'armée, corruption moins 5, attaque de mêlée plus 3, défense plus 3, capacité passive, chaudron de la gueule. Régénération passive en plus. Régène de zone passive. Dégâts des armes de base plus 0% et ça peut monter jusqu'à 20. Armes perforant aussi plus... enfin jusqu'à plus 20. L'intensité de l'effet augmente à chaque élimination faite par l'unité, régénère les PV des combattants. Oh. Pas mal. Récupérer ces deux-là. Bon, il faut que Scrag, il vienne aider. Hein. Ça va quand même être un peu long pour y aller. Ok, ça, ça peut déjà passer au niveau supérieur. Ça va. Les thunes, ça va. On a pu faire un petit peu le plein de viande. Ah, je sais pas si j'y suis encore. Si, je suis encore dans la zone. Pile poil. Pile poil dans la zone. J'espère que Karl va pas attaquer trop vite avant que j'arrive. Merci Horus Super Karl pour les 7 mois. J'ai pas trop remercié les subs jusqu'ici, je suis désolé. Merci Horus, merci Nasuko pour les pour le Prime. Merci Zarkan, merci Shornar, merci Rockstar, BZH, merci Super Coco Django, merci Chiki Lol, merci Dr. Sender, merci Milinsi, l'autre neuneu, merci Stagiaire de Moati, merci Jackal, Jackals. Merci Warrior Lord, merci Anikar, merci Dragoon, merci Nadrose, merci Tarmukan le consanguin, merci Termat, Termar, merci Rip and Love, merci Roi du Bacon, merci Criminel Moule, merci Light Tommy, merci Titi, merci La Fourmi Rouge, merci Ript, merci Grippin Sublime, merci le Gaspex, merci Mowibax, merci Nicodim, Papa Kaizen, merci aussi, merci Miwalk, merci Aquidi. Masséna également, merci Neo, Lunilive, La Chouette Effray, Les Divins Impôts, Frixos, Os Palatin, Discian Thérèse, merci beaucoup, merci à tous, j'espère que j'en ai pas oublié. Merci beaucoup. Trop de love sur cette chaîne. Trop de love, c'est vrai.
T'as accepté la mission qui te demande de péter la ville juste à côté au sud? Celle-là, là? J'ai pris celle-là, moi, Forkberg-Bark. Mais j'ai pas envie de déclarer la guerre à Marienburg maintenant pour faire la mission. Alors que... Alors que Karl est en train de mettre à mal ma colonie là-bas. Ok, en arrivant ici, il me voit, il a une armée là, il aurait pu venir en renfort là, il ne le fait pas. Ah, compliqué là. Mais faisable. Surtout qu'il y a moult bouffe, donc je peux mettre à fond ici. Donc on a vitesse plus 10%, masse plus 10% et bonus de charge plus 10%. Tout ça va faire très très plaisir à ma cavalerie férox, aussi aux ogres. Ah, ils ont l'unité de Reichsguard quand même, de Karl. Et Karl himself. Karl himself, début de campagne, ça va. C'est pas non plus, c'est pas une brutasse. Ouais, par contre, les Ferox sont dans les croustilles miel, hein, là, avec autant de bretteurs, ça va. Arquebusier, va falloir s'en méfier, va falloir les tomber a priori, enfin pas a priori, va falloir les tomber vite. Les arbalétriers aussi, les archers dans une moindre mesure, mais quand même. Les deux là aussi, hein, bah, tout ce qui est là-bas en fond. Et la Reichsguard, évidemment. Et la Reichsguard, alors la Reichsguard, l'idéal... Bon, ce serait de l'engluer dans des buffles et elle se ferait tabasser bien comme il faut. Alors, comment on les prend? Ah ouais, mais il y a ça... Ah ouais. Bon, ben ça va partir sur la défense de ça, hein. La bonne défense de centre ici. En plus, cette map-ci, je l'aime bien parce qu'il y a vraiment des moyens de profiter des couloirs là et là pour quand même faire des mouvements malgré le fait qu'on tient une position très très défensive au centre. Donc allons-y pour ça. On va mettre un canon ici pour l'instant. J'ai un ventre-feu qui n'a pas de feu. Mais ça fait un bon combattant de mêlée quand même. Très bon combattant de mêlée d'ailleurs. Ok, là notamment, il y a guerrier arbalète, milice, les arquebusiers sont pas là. On a juste les halbardiers qui peuvent être un peu pénibles. Bon, j'ai pas envie que les férox prennent trop de dégâts pour rien. Merci Saris Lava pour les 17 mois. Ah ouais, je peux aussi faire une tour là. Oh là là. Je peux en faire deux? Bah oui, j'ai 1000. Alors on va en faire deux directement, ce serait quand même dommage de pas profiter de celle-là. Ah, et même celle-là! Oh là là. Elle est hyper forte en défense, cette map. Quand même les laisser venir, là. Pour l'instant, je laisse venir. Ok. Si je fais ça, et les Ferox, ils sont où? Je voudrais bien qu'ils puissent sortir et intervenir. Je vais les mettre là, un peu en arrière pour l'instant. Peut-être qu'ils... Ah ouais, il y a les arquebusiers là-bas. Ils pourraient peut-être intervenir là, si... quand ils arrivent. La Reichsguard est là. Là, par contre, va falloir s'en méfier fortement. C'est vraiment une des maps de défense de cité mineure, en tout cas, les plus fortes du jeu, je trouve. Cette structure de map est vraiment très, très, très forte. On a des mouvements défensifs possibles assez facilement. Plein de tours disponibles avec le point central. Ouais, 5 tours, quoi. Rien qu'à tenir le point central, on a 5 tours. Ça, c'est énorme. Enfin, le point principal. C'est énorme.
La Rexguard qui bouge pas. Alors vous, vous tirez pas tout de suite. Pas trop gaspiller les munitions. On les laisse avancer, on les laisse avancer. Allez, je vais venir ici du coup avec eux. Je vais essayer de venir taper les arrières parce qu'ils viennent pas du tout de ce côté-là. Ok, vous vous occupez de la milice. Ça arrive là-bas. Alors, ça vaudrait la peine de commencer à faire une autre tour. Attends, c'est où l'autre? What? C'est celle-là? Ah oui! Non, c'est trop loin ça. Ok, ça c'est pas mal. On va faire un upgrade de cette tour là. Par contre, ils arrivent ici. On va tâcher de les bloquer. Eux, va falloir aller les chercher. Ils sont où? Mais ok, ils sont là. Faut que je passe à travers ici et que je fasse le tour pour aller chercher les guerriers à arbalète. Alors, placez-vous là. Ok, si jamais la cave se pointe, je voudrais pouvoir lui tirer dessus. Oh, j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt. Wow, comment ils prennent cher, eux? Je vais pas avoir besoin des ferox finalement. Je peux aller chercher les arbalétriers de toute façon. Aïe! Ça va, je crois que les arbalétriers résisteront pas, il y a trop d'ogres. Oh, on va si, va falloir que je cycle charge ici. Attention parce que les charges ogres de cavalerie sont vraiment très fortement bloquées par les unités, les autres unités ogres. Les ogres ont une telle masse que même la cavalerie ogre n'arrive pas à passer au travers. Ils les bloquent vraiment là où parfois des unités de cavalerie peuvent passer à travers des rangs d'humains ou moins. Humains, Skaven et tout, il y a encore moyen de passer à travers avec des rangs de cavalerie classiques, mais la cavalerie ogre passe pas à travers le reste. Ah! Oh, ça, ça me plaît pas. Oh, ça, ça me plaît pas. Heureusement qu'ici, j'en finis un peu. Là, j'ai la deuxième tour qui arrive. Qu'est-ce qu'il reste? Il me reste deux tours encore. Il y en a une ici. On va lancer la construction tout de suite, elle pourrait être utile. Ok, il faut que je revienne vers le centre. Il y a beaucoup trop au centre. Ok, là, ça poursuit la milice. Oh, ouais, 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 là, ça arrive beaucoup par là. Vas-y, tire là où il y a... Là où il y a beaucoup de monde, on s'occupe du reste. Allez, placez-vous sur le côté et vous attendez. Oh, Carlito! Oh, vous ici! Oh, une petite charge, ça se refuse pas. Ils tapent quand même fort les ferox hein.
Ouais, il a fait un peu de dégâts. Non, ça va mal se passer. Ils lui font pas assez. Ignorez-le, ignorez-le. Il faudra que les deux persos s'en occupent. Quelle bande de relous, les arbalétriers qui sont revenus. Ils essayent de capturer le point, ces petits saligots. Hein. Il y a les arquebusiers ici, je vais aller les chercher tant qu'à faire. Ok. Allez, c'est bon, reviens maintenant, toi. Alors, on a quoi là? Très bien. Les points augmentent lentement maintenant. Continuez, continuez, continuez! Carl fait trop mal. Oh, la milice, elle va défoncer les gnoblards, je crois. Ok, tout ça commence à fuir. J'ai neutralisé la plupart de leurs unités vraiment dangereuses. Les halbardiers sont plus là. Les arbalétriers sont plus vraiment là. Merde, ils ont pas réussi à se décrocher. Ils ont pris tarif des arquebusiers. Aïe, 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 ça c'est ce qu'il fallait pas. Ah, ils reviendront pas. Oh, ça c'est vraiment le truc qu'il fallait pas, quoi. Ils ont voulu se décrocher des arquebusiers pour ne pas prendre Karl. Ils ont pas réussi. Donc ils ont pris des salves des arquebusiers. Et arquebusiers plus Karl, ils se sont fait défoncer. Oh, ça c'est la perte qu'il fallait pas. Ça vient peut-être de me coûter la victoire, ça. Ça c'est vraiment le truc qu'il me fallait pas. On va essayer de gagner du temps par rapport à ce groupe là. Ils vont peut-être se reformer. Ils se sont reformés d'ailleurs, mais ils sont trois. Ça reste des férox. On verra. On va déjà récupérer ce point-là, tant qu'à faire. Bon, on va attendre que tout le reste arrive en mêlée. Oh la vache, la Rexguard qui veut pas lâcher l'affaire. Les deux persos sont encore en forme quand même. En capturant le point de l'autre côté, ça va régénérer un peu mes points pour me permettre d'investir dans des tours plus puissantes aussi. Ok, ce blob-là, il est cassé. Ah, les arquebusiers qui débarquent. Perdez pas votre morale, par pitié! Prenez au moins le point! Karl qui arrive, il va falloir que je mette les deux personnages dessus. Attendez, on va essayer de le bourrer un peu avec les tours, tiens. Il aime pas. Il aime pas ce qui se passe. Je vais faire ça. Cette tour-là, elle a quand même vu sur pas mal de monde. Aïe, 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 aïe. J'ai mal.
Mais les tours font bien le café là. Oh, j'ai toujours pas récupéré ce point là. JPP, il y a pas assez de monde dessus, c'est normal, ça augmente très lentement. Voilà, on peut au moins lancer ça. Il me reste un blob qui peut faire mal. Allez s'il vous plaît, amochez Carlito. Ouais, c'est vraiment moins de vitesse, hein. Ça c'est pas... Y a pas de debuff de mêlée ou quoi. Bon, attention. Ah non non, ah non non. Ah, ils vont récupérer. Enfin! Bon, ok, faut que je bouge parce que là ils vont me récupérer le point central. Allez, mets un peu une tatane à Karl pour voir. Paf! Oh, mais c'est qui se démerde! Oh! Vas-y, Jean-Pierre! Raté, mais c'est pas grave. Oh, vas-y, Jean-Pierre! T'as le plus beau slip de la galaxie! Il est derrière toi. Paf! Ah, il était sûr de lui, hein. T'étais fier de ton coup, hein. Hey! C'est mon pied, ça! Ah, il se protège! Vu qu'il prend des projectiles, il se protège avec, avec sa masse et du coup il attaque peut-être moins. Allez. Encore un petit coup. Pour reprendre ce point, hein. Faut au moins les empêcher de le capturer eux. C'est indispensable. Hein. Allez, 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 avec tous les gnoblards, ça va faire beaucoup de monde. Ouais, 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 ouais. Allez, maintenant essayez de les bloquer là. Oh là là! Mais le monstre! J'y crois zéro ça. Ah, ils m'ont pété une tour les enfoirés. Allez. Ah non! Non! Tu peux pas, pas maintenant! Non, 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 ça peut pas se renverser maintenant ce combat. Allez! Oui! Ok, j'ai plus de gnoblards que eux n'ondulité sur le point, donc ça, ça va. Allez, tour catapulte en plus! Ok, j'espère que ça va aller. Oh là là. Oh les Ferox, ils sont trois mais ils sont déter. Paf. Non 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 non, les gnoblards, vous me faites pas ça, non. Faut les briser. Oui, oui, oui. Oh oui, le dégât qui est beau, là. Voilà. Alors, il y en a qui arrivent encore ici. Attaquez ceux que vous croisez. Non, j'ai plus assez de troupes pour tenir le centre. Ah, quel enfer! Ah, je vais perdre mes tours! Non! Ah, c'est inévitable, ils sont trop nombreux. Ils sont juste en train de me prendre le point. Du coup, ça va péter mes tours et je vais perdre un gigantesque DPS. C'est toujours à moi. Oh là 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 là, ce mage de feu. Ce ventre feu.
Oh, c'est toujours à moi, c'est toujours mon point. Ok, empêchez-les de se reformer au moins. Aïe, il s'en va. Ah! Ah! Mais c'est moi ça! Mais je suis au milieu, y'a personne! Ah, l'autre tour va s'y mettre. Bon, c'est un bon. C'est un bon tank, hein. Allez, en plus, il y en a quelques-uns ici. Il y en a 9 encore. 9, c'est pas mal, on y croit! Allez, allez, allez. Ici. Oh yes. Ok, cette unité là est brisée. Attends, chargez la petite unité là qui a l'air malade. Voilà! C'est ça qu'on veut! Pouah, le ventre feu quoi! Toujours là hein! Attends. Non, non, ça va, ils s'en vont pas. Oh là là! La dernière! Toi, tu tires sur celle-là pour pas faire de friendly fire. Comme ça, ils reviennent pas. Éventuellement. Oh, le ventre feu! Mais best unité, hein! Il a pris des impériaux sur la gueule! Le mec il doit progresser contre une nuée d'impériaux quoi. Ah dis donc chérie, il va falloir qu'on fasse nettoyer le pare-brise, il y a des impériaux qui s'écrasent dessus. Oh là là là, c'est passé à tellement pas grand chose. Mais le fait que la... Le fait que le point central reste à moi, ça leur a coûté trop cher quoi. Maintenant, vous vous reposez. Et on laisse faire les tours. Qu'est-ce qu'ils foutent? J'allais célébrer, mais c'est trop tôt.
Oh, ça aurait été tellement con de perdre pour ça. Voilà, frayeur de toute femme, tu m'étonnes. Quel enfer! Ça passe large, large, très très large. 1000 de trésorerie, j'ai combien de trésorerie? 5000. Wouah, 3000 de récompense déjà. Allez, vas-y. Merci Irish pour l'année. Merci Kit Kachunk pour les 3 mois. Tangolo, merci pour les 4 mois également. Merci Maximo pour le Prime. Aussi. Grand nom déverrouillé. A vaincu Karl Franz provoque la terreur contre l'Empire. Nul. Un bonus nul. 3 niveaux d'un coup il a pris lui. Pas de problème. Hein. Coup de recrutement, revenus provenant des raids, revenus provenant des pillages de colonies. Allez, prenons les raids. On pourra éventuellement faire ça. Oh bah là ils sont pas bien. Oh bah là ils sont pas bien. Soir. Allô? Merci Vrock pour les 6 mois. Melastraz, merci aussi pour l'année. Ravi de fêter mon année en sur un vrai stream, pas sur le misclick d'hier. Ça, je sens que ça va rester, ça. C'était un beau, hein, quand même. Ce qui m'étonne, c'est que c'est la première fois que ça m'arrive, quoi. Parce que... Et figurez-vous que le jour où j'ai installé le stream deck, vous savez là où j'ai les boutons pour gérer le stream et les records de vidéos et tout, le jour où j'avais installé ça, j'avais mis le bouton démarrage de stream et le bouton enregistrement de vidéo l'un à côté de l'autre. Une voix dans ma tête m'avait dit, mais si, c'est logique, fais comme ça. Et il y avait l'autre voix dans ma tête qui était dans le fond comme ça, les bras croisés, qui a dit, ah ouais, c'est logique. T'es vraiment con, hein. Ça peut que mal finir. Ah oui. Mais je suis étonné que ça ait mis autant de temps à finir comme ça en réalité. Lancer un petit stream alors que je veux enregistrer une vidéo, je pensais que ça arriverait beaucoup plus tôt. J'ai une voix intérieure qui me juge. Intégrer. Où est-ce qu'ils sont? Merci Hack Pro pour le sub. Tout vient à point qui s'est mis clic. Ah, fallait bien que ça arrive. Ah ouais, il est tout seul. Il est tout seul. Je devrais plutôt me positionner. Je vais essayer de le trouver avec les dents de sabre et les trucs. Il doit pas être loin. Hein. Si ça se trouve, il est dans la forêt en train de tirer des flèches depuis tout à l'heure et à chaque fois, il touche les troncs. Le voilà. Moi, je vais laisser les dents de sable s'en occuper, en fait. Et préparer un contournement avec les autres. Hop là. Je pense qu'il va pas tenir des masses. Ouais. On a du pistolier qui vient à sa rescousse. Allez, c'est parti. Oui, on a une petite armée de l'Empire qui débarque. Rien de très compliqué à gérer. Merci Emrys le Schlag pour les 18 mois.
J'ai pourtant taffé vivement Empire Mortel. Yes. On attend la roadmap déjà. J'espère qu'ils l'annonceront dans pas trop longtemps, mais... Je crois qu'ils veulent être sûrs de leur coup avant de la sortir. Ils en ont toujours pas fini? Non, mais ils l'ont presque tué. Ça me va. Accélérez un petit peu, vous, pour contourner. Oh, le blob! Oh, le blob! Bait! J'aurais dû la mettre au niveau supérieur. Oh! Ah oui, j'aurais dû la mettre au niveau supérieur là. 28 000 de dégâts en une fois. Ouais, d'accord. Bon, les pistoliers vont m'emmerder, ils font pas énormément de dégâts, tant pis. Allez, il va falloir leur mettre la deuxième couche. Ah, déjà? Combien dans la réserve? C'est combien pour passer au niveau supérieur? Au moins 25, non? Je vais pas avoir le temps de leur mettre la deuxième couche en fait. Ah si, avec ça j'aurais pu. Oh là là, la meute de crocs de sabre qui est en permanence dans la sauce. Et attendez, c'est pour la science. À quel point ça fait mal aux ogres? Parce que en théorie ça doit pas leur faire très mal. Ah, ça leur fait même rien du tout. Ça leur fait que dalle en vrai. Oh shit, ils peuvent plus bouger. Enfin, ils sont là en tout cas. Ils sont à combien? Ils sont à 36 de vitesse. Je suis à 54. J'aurais dû en profiter pour préparer une unité pour encercler, mais tant pis. Ah oui, c'est vrai, il a ça, lui. Je sais pas ce que ça donne. Bon, là, c'est raté. Ah. Guided by hunger. Find them, Mew. Tribe on the moon. Thunder. Je vais pas avoir le temps de le tester. Non. Cours. Allez, je veux voir. Attendez, c'est juste pour... juste vraiment pour essayer. Ça se lance assez vite. Ah oui, quand même. Pas mal. Pas mal comme petit... Un petit vent, un mini vent à mettre gratos. C'est pas mal. 222. 39 000 de dégâts par Scrag. C'est beaucoup. Trente-trois de viande, ah ouais la vache, dis donc. Trésorerie 100. Ils valent rien du tout. Mais ils sentent délicieusement bon. Je manque de vent de magie par contre. Il me faudrait vraiment le conduit arcanique. Attends, quoi? Ingrédients supplémentaires. Ah oui, mais c'est pas... Ah si, augmentation des vents, c'est la même chose. Rechargement de puissance plus 160% et augmentation de la réserve plus 20%.
Plus 0,20. Capacité active. Donc en fait, les ogres, c'est pas comme les... C'est pas comme les autres factions avec le conduit arcanique qui est devenu un truc passif. Eux, ça reste un actif, comme avant en fait. Enfin, comme avant, pas tout à fait, mais... Vous avez compris l'idée. Oh non, mes crocs de sabre. Ouais, oh, on va la récupérer. Ah merde, ma mission, elle disait quoi? Occuper ou... Dans le doute, je mets à sac. Ouais. Et on peut refaire après, il n'y a rien de mal fait. C'est pas bon? Bah si, il a disparu le truc. Ah mais non, c'est celle-là! Oh! C'est pas celle-là! Croissance du camp, capacité de recrutement... Ah ouais, ouais, faut investir là. Croc de sabre éventuellement... Oh, on veut ça! Oh, le lance-ferraille! Il est revenu. Entretien moins 20% pour les unités dans le camp, taux de reconstitution plus 2%. Capacité d'armée gourmandise pour les armées dans le cercle d'influence. Pourquoi pas? Alors, Eilard du coup. Ah, c'est la province de Aldorf. Oh, on va s'installer ici. Le deuxième camp, c'est dans combien de temps? 3 tours. Oui, 3 tours. Je me demandais pourquoi il en mettait autant, mais... Grand nom disponible. Il a chopé un grand nom, lui? Ah ouais. Alors, gros bugler. Commandement plus 8 de zone. C'est jamais mauvais à prendre. Bâtiment endommagé. Allez, on répare. On va devoir attendre encore un peu pour devenir le maître de toutes les terres de Warhammer. Pour Empire Mortel? Bah oui, ils ont encore affaire avec les bug fix et compagnie. Hein. C'est pas étonnant. Allez, je vais aller m'occuper de Marienburg maintenant. J'aurais pu pousser vers Aldorf. Mais je voudrais éviter que Marienburg devienne trop fort en fait. Ah mais non, il a été pris. Ah bah c'est encore mieux. 3 colonies, ouais. Bah tant que le Middenland est là et qu'il leur fout un peu le bordel. Je vais prendre ma mission, comme ça c'est fait. Et puis voilà, alors il faudra quoi? 8 de surplus pour... ouais c'est long ça. C'est long, c'est long. Vient de générer 5 dans les pour les armées dans le cercle d'influence. Nanana. Combien de surplus là dans le camp? 1. Mais moins j'en ai, plus j'en produis vite. Karl Franz va être jouable à la sortie de Mortal Empire ou avant? Bah a priori à la sortie de Mortal Empire puisque... Ah bah voilà, tiens, il me déclare la guerre. A priori à la sortie de Mortal Empire puisque on n'a rien avant. Enfin rien n'a été annoncé avant, alors vu qu'ils ont pas mal de taf à faire, je pense que voilà. Ils vont faire ça, ils vont d'abord faire de la correction de bugs et tout. Et après ils feront Empire Mortel. Et l'Empire, ils vont pas commencer à prioriser pour qu'on puisse jouer l'Empire alors qu'il y a encore des problèmes et... Et tout ça. Là du coup pas. Voilà. Trésorerie 500. Et relations diplomatiques. 500 ? Pouah, c'était le micro-contrat. Ça m'intéresse pas ces terres-là pour l'instant. Le fort, j'aimerais bien qu'il puisse se défendre tout seul par contre.
Pour ça, il me faudrait l'entretien moins 20%. Et pouvoir mettre des trucs un peu plus costauds, quoi. On va déjà recruter un petit peu plus, hein. On échangera avec Scrag éventuellement. Pom pom pom. Et ben voilà, hop. Scrag, il pourrait aussi avoir, j'ai vu, pierre de pouvoir. Pourquoi? Ah non, il a le bâton boum boum. Ah merde. Augmentation des vents, Scrag, sinon, il avait quoi? Cœur infernal. Risque d'échec 50%, c'est quand même beaucoup. Hein. Ça veut dire que les mages en face, ils ratent en boucle. En tout cas, ils ratent énormément. Là c'est quoi? Dégâts des armes perforants plus 45 et ici puissance des armes plus 4% et attaque plus 8 de zone. Ah oui non, je préfère ça. Je préfère ça par contre, lui, je peux lui mettre. Je vais garder le bâton boum boum. Oh, ils sont tous pas mal en vrai, ils sont tous sympas. Revenus générés par les bâtiments plus 10% en région locale. Ça marche. Quoi ça? Rendu recrutement plus 1 pour l'armée du seigneur et capacité plus 1 en recrutement local. D'accord, mais on va aller chercher quartier maître pour pouvoir lui faire une armée dans pas trop longtemps. Alors ici l'ordre public est bon, ici il est pas terrible. Il faut que ça prenne un peu du niveau. Finalement, Scrag, on démarre aussi un peu dans un coin. Ce cœur infernal, souvenir de battle, c'était génial. Ah bon, ça existait sur... Ah ! Capacité d'armée. Ah, la régène. Et limite de camp plus 1. Coucou, c'est nous. Tyrant. In charge. Tyrant. Make sure I don't die, right? Tu pourrissais toute une phase de magie à l'adversaire. Ah ouais? Must butch. Bah comme là quoi. Butchery awaits. Butchery. Je vois en direct après 2 mois à écumer les vidéos de ta chaîne YouTube, comme je suis pauvre, je peux que te follow, gloire à l'omnifio. Y'a pas de problème, voyons. Merci beaucoup, bienvenue. Je veux toujours essayer d'occuper et de voir. Ça va devenir une grosse zone de conflit de toute façon ici. Je suis pas dans la zone d'influence du camp. Ah, par contre, ça, on va peut-être laisser tomber parce que là, il y a. Voilà, voilà, oui, mais il y a du monde. Entretien moins 5% pour les orques, je veux bien. Héros recrutable plus 3 pour les ventre-feux, mais j'ai pas encore de quoi en recruter. Récompense de trésorerie de contrat plus 10%. Allez, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ici? Croissance de camp plus 20 en territoire ennemi. Revenu provenant de raid plus 50%. Ouais, vas-y. Croissance d'un camp plus 20 en territoire ennemi. Rendu recrutement plus 1 pour les unités de cavalerie. Autorité moins 4 dans les provinces ennemies où une armée est présente. Bon, le revenu provenant des raids doublé, je veux bien. Parce que ce serait un moyen de se refaire un peu dans certains cas. Qui serait pas mal. Je vais faire ça. Bon, le Middenland, va falloir le gérer du coup. Hein. Oh. Oh là, c'est beaucoup.
Oh là, c'est beaucoup. Là, je crois que c'est rip. Hein. Ça fait quand même beaucoup de bretteurs et quelques archers pour très très peu de figues. J'ai mal. Je m'attendais pas à ce qu'il m'attaque, le Middenland. Non, ça ne tiendra jamais. Il y a Boris en plus qui est quand même solide. Non, ça ne tiendra jamais. Merci, Shing Twitch, pour les 4 mois. 4 mois déjà, une des premières interventions fut une info de chat. Je persiste à faire pousser mon premier tentacule. Attends. Hein ? À l'autre camp ? Ça, ça se fait par contre. Oh non ! Oh non, mais pas les deux camps, ils ont pas le droit. Ah non, non. Le Middenland, je l'avais pas vu venir. J'avais pas vu venir qu'il allait me tomber dessus. Il y avait encore Marienburg qui était là avec d'autres villes et je me suis dit, bah comme il est en guerre contre lui et que moi j'attaquais Marienburg, a priori ça va bien se passer. Dans ce genre de cas, on passe de bons moments, on fait des soirées raclette et tout va bien quoi. Je m'attendais pas à ce qu'il me saute dessus comme ça direct. Comment ça se défend ça? D'accord, ouais, ça sent le point central aussi ça. Ah, comment ça zéro? Ça pourrait être pire. Il y a un truc à tenter mais qui est risqué. C'est de sauter sur ce groupe là pour tuer le seigneur et détruire les 3 unités de bretteurs qui sont pas très dangereuses. Et pendant ce temps là je les bloque un peu. Il va leur falloir vachement longtemps pour arriver. Parce que si moi je prends mon seigneur, les 2 trucs et 3 unités allez de Gnoblar, est-ce que ce serait pas suffisant et 3 unités de Gnoblar pour tenir le centre? Si, je crois que ça va être suffisant. Hein. Comme ça, Rapidos, je détruis ce groupe-là plus le seigneur et je viens m'occuper du reste. En gardant mes forces toujours au même endroit, enfin tout au même endroit. On va essayer d'encercler un peu avec les Gnoblars. Je sais pas s'il peut le tuer, un prêtre. Bon, un prêtre, ça doit se faire normalement. C'est celui avec le marteau qui brille. Celui qui a le bout brillant. Normalement, il peut... Ah, il a du mal à le toucher quand même. On va essayer de leur mettre un gros coup sur le moral pour qu'ils arrêtent de se défendre vite fait, bien fait. Par contre, ça arrive. Attends, c'est quoi ça, milice? J'ai même pas encore de quoi lancer la construction d'une tour, c'est terrible. Bientôt, mais c'est lent quand même. Hein. Voilà, leur morale se brise. Ils vont arrêter de se défendre. Oh, j'arrive pas à le toucher, incroyable! Ah, par contre, du coup, ça m'offre ça. Voilà. Ils vont prendre beaucoup plus. Enfin, ils vont perdre énormément de temps pour arriver. Je gagne du temps. Non, mais c'est pas possible. Je lui ai encore rien fait. Ah bon? Non, mais genre, please. Ah, ça y est.
Merci Mouchou Mouksou pour les 19 mois. Et Hushnack, merci pour les 3 mois. On peut déplacer les camps ogres ? Non, 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 on peut pas déplacer les camps ogres. Oh, je vous en supplie. Combien de points ? Ok, bientôt. La tour supplémentaire. Va falloir revenir vite, hein, quand même. Oh, mais il est tellement solide, il est tellement chaud à tomber. Ok, je vais repartir avec les gnoblards. Et une unité d'ogres, de buffles, vers le centre, parce qu'il va falloir quand même aller le défendre. Et ok, le reste s'occupe de notre ami au bout brillant. Mais il est chaud à tomber, comment il tank? Ils sont pas encore là. Oh, mauvaise idée. Oh, mauvaise idée. Ah, ça craque déjà. Bon, par contre, les tours vont se faire plaisir. Je sais pas si celle-là pourra tirer. Ah, c'est pas dit, hein. Non, elle peut pas faire grand-chose de là-bas. Surtout celle-ci qui peut. Bah ouais, ça fuit, bah évidemment. Bah voilà, ils ont récupéré le point, hein. Merci pour les tours. Ok, super. Grosse strat, hein, grosse strat. Quoi le ketchup? Coût de recrutement moins 25%, viande générée moins 2 pour les armées. Coût de recrutement moins 25%, j'ai envie de dire. Et l'autre, c'est pas de fruits et légumes pour nous, croissance plus 20 pour tout le monde. Oh la croissance. Oh là là, oh là là, oh là là, oh ce tour-ci m'a fait mal. Oh ce tour-ci m'a fait très très mal. Il m'a fait très 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 mal. Merci Oxyclean pour les 4 mois. Iladrus, merci pour les 5 mois aussi. Ça c'est le tournant, c'est le tournant. Ah mais oui, il est toujours là lui, il a fui. Trop proche d'une colonie, oui mais du coup je pourrais le faire quand même. Non non mais je me replie. Alors ça d'accord, il faut que je stoppe cette armée là. Je pense qu'on va se présenter en personne. On va aller se présenter en personne hein. À mon avis, il va m'attaquer franc battant, il va pas se barrer. Oui, il va se barrer. Pensais qu'il allait. Il allait venir, tiens. Marienburg, est-ce qu'ils sont en capacité de me résister? Je peux pas placer de campement, pourquoi? Ah, ça coûte 2000 balles! Ah oui, forcément.
Le lance d'ambre! Oh, vous allez voir, ça va encore être une campagne avec le retour de la lance d'ambre incroyable. Faisons une petite embuscade du coup. Là, c'est toujours 45% là-dedans. Et là? 45. Bon, ok, ça n'a pas d'importance. Ici, vallée d'Océine. Pas grand chose dans la garnison. Aïe. Allez, il faut. Faut qu'il arrive l'autre. Il faut qu'il tombe dans l'embuscade, ce serait parfait. Revenu provenant des raids, plus 50%. Ok, d'accord. Il y a une armée qui a un peu mordu à la pas quand même. Qui a un peu mordu à l'hameçon. Bon, ça fait toujours ça qu'on peut croquer. D'accord, il est là l'autre. Soir. Il est tout seul avec des Breiters. Allez hop. Ça dégage. Là, ça veut dire que je peux avoir un camp. Un camp proche de Marienburg qui bloquerait le truc ici. Alors ça, si je pars dans cette direction-là, ça veut dire qu'il va falloir que je me batte pour cette partie-là. Hein. Et ça veut dire que Scrag, il reste au nord et il doit s'occuper de récupérer cette partie de terre, quoi. Et donc, ça veut dire qu'ici, il faut se démerder. C'est jouable et je pense pas que j'ai énormément le choix, en fait. Parce que si je laisse faire Marienburg et que je vais du côté d'Aldorf, Scrag va... Enfin, je vais me faire enfoncer par là, en fait. Allez, allons-y pour ça. Voilà, ça me permet quand même de rester ok. Un peu d'entretien en moins pour les ogres. Il existe un moyen à l'heure actuelle de jouer sans les failles de mort? Malheureusement, pas encore. L'orthodoxie domine, oui d'accord. Ah super! Est-ce que Marienburg... Très envie d'aller m'occuper de Marienburg là. Neuf unités, il n'y a pas d'armée dedans. Ah, il est parti là, Boris. Mais c'est qui? Mais c'est qui? C'est qui, lui? Ah bon? Résistance au sort permet les attaques magiques. Contre l'Empire, ça changera pas énormément, mais... Mais c'est qui? Il est où? Je l'ai pas vu. C'est un peu beaucoup, hein. Je préférerais en attraper un en embuscade. J'ai un peu le temps avec le... Avec le truc, en fait. 25%. Oh là là, ouais, là, par contre. Attends, quoi? Il peut se mettre en embuscade même à portée maximale? Bah non. Bon, c'est rien. C'est pas grave. Ils vont probablement m'attaquer tous les deux. En bataille de plaine... C'est jouable. En bataille de plaine, c'est jouable parce qu'ils n'ont qu'une ligne de bretteur, soit une ligne qui va tenir 12 secondes et demie. Face à ma ligne d'ogre plus Scrag qui peut balancer le sort de la gueule, c'est assez monstrueux. Les Seiyuu! Mais c'est un autre encore!
cools. Oh mais ça croustille, tout croustille là-dedans, mais tout croustille enfin, monsieur l'arbitre. Combien de vents de magie ah oui, maintenant il a son truc en plus. Il y a ça. Ah, c'est à l'infini. Oh. Formation du mur de la subtilité. Bon, on va faire le tour avec cela. Je n'ai plus de dents de sabre. Il faudra que j'en remette quand même. Tac, tac, tac. Très bien. Ah ouais. On va faire ça déjà. 1 toutes les 3 secondes, réserve restante 51. Bon. Ok. Toujours planqué, ouais. Parfait. Oh, cette petite map claire de lune. Petite map sous les étoiles. La petite promenade d'après le repas. C'est vrai que qui n'apprécie pas s'aérer le nombril après une petite, un bon petit repas frugal. On aime tous ça. Oh, la charge en pente. Oh, la charge en pente. Ah ouais, vous voulez pas la prendre? Oh là là. Alors je vais essayer un truc, voir si ça marche toujours, tiens. Je fais le groupe, je verrouille et je fais ça. Normalement il va répartir les charges, voilà. Ça marche toujours. Il répartit automatiquement les charges sur toute la longueur. S'il y en a qui connaissaient pas cette astuce, moi je l'utilise jamais. J'aime bien que mes unités chargent... Enfin de toute façon je change souvent, mais... pour les charges frontales comme ça, c'est pratique. Oh, 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 la ligne qui prend tarif. Merci Aska pour les 6 mois. Alors, on va en profiter pour... Hey. Ah oui, quand même. Oh, attendez, vous savez ce qui va... Ah oui, je ne l'ai qu'au niveau 1, la lance d'ambre. Dommage. Je sais pas s'il va la lancer, il y a du monde dans le chemin là. Pas sûr. Oh si, il va la lancer. Je sais pas, c'était artistique. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Me, me, me.
tellement pris cher. Petite gueule. Petite gueule. Eh, salut. Pof. Là, je les ai pas forcés à blober. Je les ai pas forcés à blober pour balancer le truc, mais... vu la tronche de ma ligne et de la leur, je me suis pas pris cette peine. Ils ont changé l'animation de la lance ? Non, je crois pas. Je crois pas. C'est comme pour les boules de feu, comme pour tout. Ils écartent les bras et ça part. Tout dans le nombril. Alors, viande, je sais pas si j'ai vraiment besoin. Thune, par contre, j'ai besoin. Ça me fait quoi ? Ça me fait 2000. Je pourrais faire un autre camp. Ah, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui peut m'intéresser plus, là ? Viande générée 2, non, je m'en fous. Viande fournie par les camps, 25%. Viande obtenue en bataille, plus 10%. Non. À valeur de monde, relation diplomatique, plus 20 avec tout le monde. Portée de déplacement de campagne, plus 8%. Je prends. La portée de déplacement, c'est oui. Alors ici, j'ai quoi ? Coût d'offre à la gueule, moins 20%. Moins 20%, c'est pas si mal, en vrai. Moins 20%, c'est pas si mal. Et en plus, ces bonus-là sont loin d'être dégueux. Tiens, ça, au fait, durée de l'air... C'est juste une régène, hein. Ça, c'est que de la régène. Hein. Ça ne relève pas les morts. Bon, est-ce que je place le camp ? Ah ouais, mais il y a l'autre. Oh. My gut is law. Not likely. It hungers. Eh ben oui. Onward to the moor. Oh, tout va bien. Bon, comment je me défends? Comment je me défends contre ça, moi? Temps de repos, moins 50% pour les sorts. Ouh, bonus d'expérience, plus 4000 pour brut. Je savais pas qu'on avait une chaîne YouTube dans nos personnages. Merci Fareng pour les 13 mois. 4000, oui, mais... Temps de repos, moins 50% pour les sorts, mais pour 5 tours et pour lui. Ah oh ouais, non, vas-y, prends l'XP alors. Trésorerie plus 5000, talisman de préservation, résistance ultime 17%, ça c'est fort. Vitesse 20%, attribut coureur, ok. Rechercher la technologie suivante. Rassemblement tribal. Ah non. Le parti politique, nous autres, au rassemblement tribal, n'est-ce pas? Ok. Voilà, ça fait du monde hein, là-dedans. Ah, mais si Marienburg ne tombe pas, ça va être un cauchemar. Je peux pas aller plus loin, quoi. Carlito, quel enfer. Si je viens pour virer Carlito, je vais avoir l'autre sur le dos. Et si je fais l'inverse, ben j'ai l'autre, quoi. Enfin, si j'attaque Carlito, j'ai Boris. Si j'attaque Boris, j'ai Carlito. Les comets
Bon, ça change pas grand-chose. Il faut que je protège le camp et que je le fasse grandir. On va tâcher de proc une embuscade déjà. Il attaque le camp. Oui, mais du coup, c'est bataille de camp. Ah ouais. Ah ouais, mais il a aucune chance alors. Ok, parfait. Mais on fait ça la prochaine fois, YouTube. Allez, la VOD est déjà fort longue. À bientôt et des bisous.